Salut les rêveurs, nous c'est Romain et Nadia, deux créateurs libres et nomades sur les routes des Amériques. Chaque semaine, on vous propose un moment d'évasion et de réflexion au cœur de notre moving life. De la pleine nature, de la bus life, des voyages et du mentorat. Voici tout ce que vous pourrez trouver chez nous. Alors soyez les bienvenus les rêveurs sur Blondeau de Moving Life. Ça y est, la végétation a complètement changé. Ça se voit qu'on approche du sommet. Ça grimpe bien aussi, accessoirement. Je suis vraiment content de le faire, le Mont Mégantic. Parce que voyez-vous, ça fait 3 ans qu'on habite ici. On adore littéralement le Mont Mégantic. Le parc national, mais la montagne, le massif en lui-même. Pourquoi on l'aime? Déjà parce que c'est très beau. C'est comme une montagne solitaire au milieu de la plaine. Et surtout, c'est énergétiquement très puissant, c'est une montagne très forte. On sent que la montagne et la roche, c'est vivant en fait comme lieu. On le sent, ça vibre très très haut, ça vibre très très fort. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on a déjà fait toutes les autres montagnes du massif, le Mont Saint-Joseph, le Mont Victoria, de l'autre côté aussi. Et on n'avait jamais fait le Mont Mégantic. Alors pourquoi? Ça, je sais pas vraiment. Ça s'est goupillé comme ça, finalement. Ce qui est aussi intéressant ici au Mont Mégantic, c'est que il y a un observatoire, donc un télescope. Parce qu'ici, si vous ne le savez pas, on est dans une région qui est classée donc réserve de ciel étoilé. C'est-à-dire qu'il y a des normes au niveau des éclairages pour éviter qu'il y ait une pollution en fait lumineuse dans la région, ce qui fait qu'on a des ciels absolument magnifiques. Et donc au sommet, il y a donc l'observatoire. Et on y était venu donc de nuit. Malheureusement, on n'avait pas pu faire d'observation parce qu'on était tombé un soir de brume. On était complètement dans les nuages, donc on n'avait pas pu observer avec le télescope. Mais voilà, je pense que depuis les 3 ans qu'on est là, ça faisait 3 ans que je voulais absolument venir monter le Mont Mégantic pour voir la vue vraiment tout autour du massif et puis voir cet observatoire de jour. Ça me tentait vraiment. Je suis passionné du ciel étoilé, je suis passionné par les mystères et la profondeur de l'univers. Je me sens vraiment en connexion avec ce monde, avec tout ce qui est autour de nous. Et le ciel, pour moi, c'est vraiment un espace privilégié d'évasion. Et je sais pas,
le fait de voir un télescope, c'est comme si je pouvais m'approcher encore un peu plus de ce monde, même si ça, c'est, on parle du monde physique, dans l'observation. C'est sûr que d'un point de vue spirituel et sensible, je m'y sens connecté en tout temps, mais voilà, visuellement, c'est vrai que j'aimerais un jour avoir la chance de rentrer dans ce télescope et pouvoir observer par la lunette, qui sait, peut-être que ça arrivera. En tout cas, voilà, c'est un moment, cette petite ascension, cette ascension de 5 km, c'est un moment particulier pour moi, pour nous. C'est une nouvelle connexion encore plus profonde dans notre monde, dans notre environnement de vie, celui dans lequel on veut vivre. Donc c'est ça, c'est un moment particulier et on est particulièrement heureux de le vivre, ce moment, d'autant plus qu'aujourd'hui c'est nos 6 ans de mariage. Donc voilà, on fait vraiment d'une journée un moment spécial à bien des égards.